passé comme ça pour voir ce que c'était la chasse. Et alors je me suis fait emmener, on va dire, en battue. Et du coup j'ai pris le goût, donc je me suis dit je vais passer mon permis et puis je vais continuer. Voilà. Allez. Bon. Ah oui. Tu t'attendais à faire un tir comme ça ou pas? Non, je pensais que c'était plus loin. Ah ouais. Et tu vois, le fait que tu aies cette ligne blanche là du carré qu'on a mis, ça te donne un point de repère et d'alignement, tu vois. Je suis contente alors, je fais un beau premier tir, on va dire. Voilà. Ouais, bon, je crois qu'on peut être confiant là. Hein, bravo, ouais, normalement ça devrait marcher. On verra. Alors Guillaume, qu'est-ce que t'en penses du tir qu'elle a fait? Elle a fait un tir fabuleux, c'est incroyable. Pour l'un de ses premiers tirs, c'est vraiment exceptionnel. Pour la chasse au chevreuil, c'est de bon augure. Allez, parti. C'est parti. S'avancer sur cette lisière, et puis il y a des ballots de paille. Normalement, il y a des entremêlés de champs de luzerne et de jachin. C'est pas mal pour le long de la lisière. Là, on est vraiment sur un secteur super favorable qui est. En plus, les cultures ont été levées. Il n'y a plus de blé. Et t'as pas mal de luzerne. Très souvent on a des animaux en plus de bon matin comme ça. Écoute, on va voir ce que c'est. T'as l'alignement des grandes serres. T'as un pilon contre la lisière d'un chevreuil qui est en train de bouger. Il est vraiment sur la lisière, il est en train de manger, il est tout à fait tranquille. 231 mètres. On va faire, regarde ce que je te propose, c'est qu'on continue comme ça. Là, sinon on est en plein découvert. Donc on va se mettre en position des ballots de foin et sous cet arbre. On aura le bon axe pour pouvoir être en position de tir. Pense à ce que je t'ai dit, il n'y a pas de correction de tir. Allez, tu te fais surprendre par le coup, d'accord? Tu bloques ta respiration, c'est quand tu veux. Il est tombé. C'est sûr? Il est tombé, c'est sûr. C'est sûr, il est tombé. Viens voir. Il bouge un peu, non, la balle elle est parfaite. Elle est pile devant l'épaule. Elle est parfaite. Bon, c'est fait. Super Hélène, magnifique. Écoute, la position que tu avais, tu vois, l'entraînement, la jambe bien calée derrière, eh ben, ça a permis de faire un bon tir et la balle est encore bien placée. Allez, je pense qu'elle est un peu devant, mais bien dans l'épaule. Eh ben, il est là le brocard. Regarde s'il est sympa. Écoute, la balle, elle est à pile poil à la bonne hauteur, mais tu vois, elle est 5 cm devant. Alors là, la balle aurait pu passer devant. Écoute, elle est simplement parfaite aussi parce qu'il est un peu 3 quarts avant. L'orage est en train d'arriver. Je peux te dire que les prochains jours, ils vont être excellents. Parce que ça fait 6 mois qu'il n'y a pas eu d'eau ici. Voilà, donc là,
le vin, le petit truc. Là, tu coupes entre l'os et le tendon. Tu apposes le bracelet côté intérieur. Tu apposes le bracelet côté intérieur. Tu rentres là. Et voilà. Okay. Donc, je me suis mis à la chasse au tout début pour connaître ce que c'était. Parce que j'avais peut-être des a priori sur ce sport. Et en fait, au final, bah, j'ai bien aimé. Donc du coup, j'ai continué. Et j'ai été jusqu'à passer mon permis et venir ici pour mes premiers tirs. Bon, écoute, ça, c'est... T'es des honneurs. Merci. Bravo chasseur. Merci Anthony. Voilà, encore avec un beau brocard de prélevé. Et puis ben je pense une belle passion qui est en train de naître pour Hélène. Voilà. Incroyable, première sortie. Hey, c'est une histoire de famille ça. Vraiment, j'étais bien calée, ça bougeait pas comme à l'entraînement. La balle, elle est parfaitement placée et le brocard, il s'est vraiment effondré. La balle est superbe. Okay, moi, je suis fier de vous là. Ouais, je suis surtout fier de toi, Hélène. Ouais, hey, super. Génial. Allez, on va au résultat. Regarde-moi ce superbe brocard. C'est un vieux brocard qui ravale vraiment en toiture. Bravo chasseur. Merci. Super Anthony. Fils. Merci. C'est vraiment un vieux brocard que tu as tiré. Regarde ça. Et voilà, bah écoute. Ce soir on a eu... On a été bon et on a eu aussi beaucoup de réussite. Hélène. Merci. Van Manside. Vis notre prochaine expédition, abonne-toi et active la cloche.